Bébert. Ouais. Ils sont où les deux? Quels deux? Les deux là, Pipo et Mario là, Romain et Julien, ils sont où? Ils sont en congé, ils récupèrent leur RTT mon vieux. Ah bien, bravo. Tiens, tant que je suis sous la main, il y a Jean-Louis, il t'attend en salle de réu. Jean-Louis? Je chope Romain et Julien. Ils vont prendre mon pio. 4 jours sans vous, c'était très long. Si, je vous jure. Et parce que je suis avec un peu sympatoche, et ben c'est cadeau. Tout ce qui s'est passé ces 4 derniers jours, c'est tout de suite dans le rewind du 15 novembre 2010. Et le saviez-vous, pour échapper aux mâchoires d'un crocodile, il suffit de planter vos pouces dans ses yeux. Et normalement, il doit vous lâcher. Et le chat qui va suivre, lui, il s'en fout totalement de ce conseil. Interesting. Okay. That's unbelievable. Oh my god. Ça me prouve qu'un chat, c'est beaucoup plus courageux qu'un homme. Et surtout beaucoup plus courageux que moi. Et commençons par l'histoire de Mona et Kali. Mona est une américaine de 30 ans. Malvoyante et qui, malgré ce handicap, a décidé de reprendre ses études coûte que coûte. Jusque-là, rien de surprenant. Et il y a aussi Kali, ce jeune poney d'aveugle. Poney d'aveugle. Et oui, Mona utilise non pas un chien d'aveugle au quotidien, mais bien un poney d'aveugle, comme ça se fait déjà aux États-Unis. Alors, le poney n'est pas plus grand qu'un gros chien, et surtout, un poney, ça vit 30 ans, contre à peu près une quinzaine d'années pour un chien. Alors c'est presque tout pareil et normal, sauf qu'en classe, ça doit être un peu bizarre quand même. Bon, lequel d'entre vous peut me réciter le théorème de Pythagore? Personne, comme toujours, de toute façon. Oui, Kiki, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Bon, j'ai pas tout compris, Kiki, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors par contre, Mona, petit conseil, c'est cadeau, ne me remercie pas. Si tu veux un jour balader ton poney, je connais quelqu'un qui a la solution. Alors, par contre, ça doit pas être simple s'il a le mal des transports. Et ce qui va suivre pourrait être une réforme contre l'obésité. L'histoire se passe en Angleterre où les voitures Google Street View, ce fameux service mis en ligne par Google qui permet de se balader dans les villes couvertes un peu comme si vous y étiez. Et bien c'est un Anglais, Rob May, 56 ans et 130 kg, qui après s'être reconnu dans la rue grâce à ce service, avait déclaré « J'étais massif, mon estomac ressortait et j'avais l'air énorme ». Alors là, ni une ni deux, il a entamé un régime, il s'est mis au sport et il a perdu 41 kilos. Grâce à Google, merci Google, c'est sympa, trop de générosité tue la générosité. Alors moi, j'en connais quelques-uns qui devraient se faire reconnaître. Hein. Et je ne dis pas ça pour toi, Maria. Même si en ce moment, tu manges bien à la cantine. Guette quand même les voitures Google Street View, on sait jamais, ça peut t'aider. Musique maintenant, enfin musique bruit. Toi, petite adolescente qui me regarde, tu penses être la plus grande fan de Justin Bieber? Eh bien, détrompe-toi. Eh bien, je vous présente Michaela Wallace, 14 ans, et sûrement la plus grande fan de Justin Bieber. Elle lui a même consacré une chanson qui s'appelle, attention, Justin Bieber's Girlfriend, littéralement, la copine de Justin Bieber. Et vous allez voir, eh bien, c'est pas si nul que ça. C'est quand même dommage que les fans fassent un truc meilleur que la personne qui soutiennent. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que la chanson reste dans la tête. Écoutez-la 3-4 fois et vous allez voir que vous allez la chanter en société comme ça, la fredonner. Ça peut créer des conflits de famille, de couple, d'amis, ça peut poser problème. Heureusement, South Park est là et ils ont réglé le problème. Voilà, ils l'ont tué. Zou! Plus de Justin, plus de fans, plus de concerts, plus rien, plus de... rien. Musique toujours et pour finir, vous l'attendiez peut-être et vous étiez probablement fan à l'époque. Et bien après une rapide carrière dans le porno gay,
Ah non, 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 les filles, c'est pas pour vous, ça. Par contre, vous, les hommes, bah, vous pouvez vous amuser, hein, si vous voulez. Mais je regarde pas, je vous jure, je regarde pas, je juge pas. Eh bien, il revient en chanson avec un clip de toute beauté. Mais ça fait quand même un peu mal aux oreilles. Quentin, Quentin! Le principe du boys band à la française, c'est de naître dans les années 90, d'accord? Et de mourir dans les années 90. C'est fini. Y a plus. Le Rewind, c'est déjà terminé pour aujourd'hui et on se quitte par une tortue qui sait se protéger. Bon bah, je teste pour voir si ça marche et puis je vous en parle demain. À demain. Ah, c'est l'autre chaise.